Et voici une bonne mouche d'escargot. Petits et grands, tous savourent ce plat incontournable et pourtant méconnu de la cuisine marocaine. Si en France, les escargots sont souvent réservés aux repas de fête, au Maroc, ils sont très populaires et on les déguste tout simplement au coin de la rue. Toute l'année, on vend des escargots. Il y a toujours de la demande partout au Maroc. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Depuis peu, ce snack local a fait son apparition dans les quartiers chics de Rabat. Le concept est le même, mais la version est haut de gamme. Les escargots, babouche en arabe, sont de premier choix et le véhicule a été spécialement conçu pour le projet. C'est le maximum de garantie qu'on offre à nos clients. J'espère que les autres suivront pour qu'on puisse présenter à la clientèle marocaine quelque chose de sain, de propre, de qualité. Ces mollusques des champs sont l'un des rares animaux hermaphrodites. Aussi bien les mâles que les femelles pondent des œufs. Il leur faut au minimum 6 mois pour atteindre l'âge adulte avant de finir dans la marmite et de ravir les papilles des clients. On a pris l'habitude de manger ça avec nos parents quand on est petit. Là, c'est propre, c'est bien organisé. Au niveau d'hygiène, il n'y a pas d'inquiétude. Ici, c'est vraiment c'est traditionnel. C'est le vrai escargot de la maison. Les escargots sont très pauvres en graisse, riches en protéines et en magnésium. À cela s'ajoutent dans la recette marocaine les nombreuses épices, parmi lesquelles de l'anis vert et de la réglisse, qui doivent être savamment mélangées pour donner tout son arôme au plat. C'est délicieux. C'est délicieux, on adore, regarde, tout le monde y mange. Les aficionados pourront même les emporter à la maison. Collectés par simple ramassage, les escargots marocains s'exportent aussi à l'international, en particulier vers l'Espagne.